Bonjour, bienvenue sur TV Lisieux, sous la belle pluie de Normandie. Samedi 1er juin aura lieu la 3e édition des Assises de la vie associative au foyer des jeunes travailleurs. À cette occasion, nous avons rencontré l'adjoint au maire Jean-Paul Soulbieux. Les Assises, c'est un moment de rencontre que nous renouvelons pour la 3e fois. On avait lancé ça en 2009 à l'occasion de la Journée européenne du bénévolat, ça a bien marché, 2011 et là 2013. L'idée un petit peu, c'est de faire un petit peu, je dirais, un échange informel et tout à fait libre entre les associations sur des thèmes qu'on choisit par atelier. Donc là, on a 3 ateliers qui ont été retenus. Un atelier sur justement l'actualité qui est le financement des collectivités en manière générale, puisque dans un contexte financier un peu difficile, les collectivités revoient un peu leur accompagnement associatif. Un deuxième atelier, relation avec les médias justement, parce que souvent il y a des incompréhensions entre les journaux, soit écrits ou visuels comme le vôtre. Et le troisième atelier, ça concerne, je dirais, nos relations avec la collectivité de Lisieux, parce que c'est vrai qu'elle est multiforme, à la fois c'est le dossier associatif qui est le plus concret, c'est le locaux qu'on vient d'évoquer entre nous en tout cas, c'est aussi l'affichage, la publicité, le matériel un peu, de donner du lien, de savoir comment on peut mieux fonctionner, leur attente, puisque l'objectif c'est bien ça. Alors actuellement on a à peu près 70 inscrits, on avait limité à 2 personnes par association et donc après ils se répartissent les ateliers qu'ils veulent et donc il y a 70 inscrits, on espère arriver à 80 comme il y a 2 ans. Je regrette un peu que les secteurs sportifs soient peu ou pas présents. L'actualité nous démontre qu'il y a des difficultés dans certains clubs sportifs actuellement et que donc c'est vrai, ce sont ceux aussi qui ne viennent pas toujours aux réunions d'information ou de formation qu'on propose en financier, en bénévolat, choses comme ça. Donc je souhaiterais qu'ils soient plus présents dans ces réunions-là, autrement les autres répondent normalement présents et ça se passe bien. Il y aura une petite surprise ou pas, mais qui sera on fait ça au FJT parce que c'est bien de montrer le FJT qui est un bel outil. On déjeunera au JT, entre deux on ira à Mosaïque pour faire connaissance de Mosaïque. Et il y a une troupe de théâtre qui vient de Caen, qui est une troupe de théâtre qui brocarde un petit peu les associations. Et ils font participer à la salle, donc je pense que ce sera bien, ce sera pour terminer de manière ludique, interactive. Et des fois c'est bien de voir ces travers réciproques au travers d'une troupe de théâtre qui ne manquera pas de faire réagir les gens de manière positive et j'irai festive. Et c'est ce que je souhaite en tout cas de cette réunion-là et de cette journée-là. Association de Lisieux, ne manquez pas ce rendez-vous incontournable. Et avant de vous quitter, je vous invite à liker notre page Facebook et la chaîne YouTube. Merci et à bientôt.